Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, on va parler de football, forcément, et de lecture. Alors, je sais que pour certains, ça commence à faire angoisser un peu tout le monde, mais vous inquiétez pas. Je suis sûr, devant votre écran, vous vous dites, moi, j'aime pas la lecture, la vidéo m'intéressera pas. Loin de là, moi non plus, je ne lis pas. Je ne lis absolument pas, rien du tout. Je ne lis rien. Par contre, des livres sur le foot, je connaissais pas. Depuis peu, je m'y suis mis. Et je regrette pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quoi? Des coups de cœur, des livres que j'ai vraiment adorés, qui parlent de football et qui vous rapporteront énormément pour votre culture foot, mais aussi des livres que j'ai pas du tout aimés, que je vous conseille pas. Alors on commence tout de suite avec le premier livre qui m'a fait, on va dire, découvrir le monde des livres qui parlent de foot. C'est celui-là. Je sais pas si vous verrez bien avec la caméra, parce que je crois que l'image est inversée ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est Mes secrets d'entraîneur de Carlo Ancelotti. C'est un livre génial. Il m'a fait découvrir ça. Et pourquoi je l'ai acheté alors que je n'étais pas forcément un lecteur? Je n'avais jamais lu de livre. Les livres à l'école, au collège, je ne les lisais pas. Et pourquoi j'ai aimé? Parce que j'étais à la Fnac, je me faisais chier comme plein de gens. Et j'ai découvert ce livre et je l'ai ouvert. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ce genre de petit schéma là. Des petits schémas avec des compositions. Et Carlo Ancelotti qui t'explique par A plus B dans son livre. Les compos, tout simplement. C'est un livre qui est rempli de secrets de football. La carte Carlo Ancelotti, c'est déjà un bijou. Mais là, il vous l'explique lui. Il explique ses choix, ses décisions. Il explique les compos qu'il choisissait. Pourquoi il choisissait tel joueur. C'est vraiment un petit bijou, ce livre-là. C'est mon livre préféré. Peut-être parce que c'est le premier que j'ai découvert, mais je vous le conseille. Lisez-le. Vous en apprendrez énormément sur le football. Ensuite, des petits livres comme ça pour ceux qui aiment la tactique. Comment regarder un match un match de foot, oui, forcément. Petit livre qui parle de tactique dans le football. Si vous vous intéressez à toutes ces questions tactiques, ce livre-là, il est pour vous. Achetez-le, c'est un petit bijou, ça aussi. C'est un must-have, on va dire, dans le monde des livres du foot. Ensuite, un petit coup de cœur que peu de gens connaissent. Pourquoi le foot français va dans le mur? Lisez-le, c'est génial. Plein de petites fun facts sur le football français qui vous permettent de vous dire, en fait, le football français, c'est un peu chelou. Et ça vous explique un peu toutes les problématiques du foot français. Lisez-le, c'est encore une fois un coup de cœur. Et on finit avec deux petits livres vite fait, très sympa. Le footballeur masqué, voilà, si vous voulez apprendre des petits fun facts, encore une fois, un peu hors football. Là, il n'y a rien de footballistique là-dedans, mais ça vous parle un peu du monde du football, on va dire le côté grosse tête que peuvent prendre certains. Celui-là, il est génial. Et ensuite, on enchaîne avec un type de livre que j'aime pas forcément. Une biographie, la biographie de David Trezeguet qui s'appelle Bleu Ciel. Voilà, un super livre. Alors je vous dis, je déteste les biographies. Je trouve ça nul. J'aime pas trop. À part les biographies d'entraîneurs, parce qu'il y a forcément du terrain, etc. Les biographies de joueurs, c'est souvent très personnel. C'est souvent pas très intéressant. Par contre, celle de Trezeguet, j'ai kiffé. Vraiment, ça nous apprend un peu. C'est un joueur particulier, David Trezeguet, qui a un parcours particulier. Psychologiquement, il a eu des vraies problématiques. C'est bien écrit. C'est sympa. Ça parle de foot, malgré que ce soit une biographie, je conseille totalement. C'est la seule que je conseillerais. Et là, maintenant, on va passer à mes déceptions. Mes déceptions, forcément, il y en a beaucoup. La biographie d'Alex Ferguson, ça parle pas de foot. Ça parle juste de sa vie. Le football n'est que à côté dans ce livre et je déconseille fortement. Biographie de Djibril Cissé, pareil, ça parle que de sa vie. C'est pas intéressant. Voilà, pas de football, les biographies. Dans la même veine, celle de Drogba, pareil. Drogba, grand homme, hein. Je suis sûr que ce livre-là doit être bien, mais pour votre culture foot, c'est loin d'être un livre intéressant. Et pour finir, un livre dont j'attendais énormément, L'entraîneur idéal de Philippe Rodier. C'est un livre que j'attendais parce que ça allait enfin parler de cette mentalité qu'ont les entraîneurs. C'est un livre qui avait notamment des gros plans sur certains entraîneurs comme Guardiola, que je respecte énormément. Et finalement, c'est un livre plus philosophique qu'autre chose. Alors oui, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai bien aimé. Mais je vous le conseille pas parce que c'est voilà, c'est ma sensibilité personnelle. Ça parle de philosophie, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un livre très philosophique qui va essayer de vous parler comment la tactique transcende le football. Donc si ça vous intéresse, achetez-le. Sinon, passez votre chemin. Et récemment, il y a quelques mois, je me suis acheté deux petits livres que j'ai pas encore eu le temps de lire, forcément. Les secrets du mercato, préfacé par Pape Diouf et écrit par... on sait pas, c'est pas marqué sur le livre. Écrit par Stéphane Bitton et Antoine Gribaume, voilà. Donc voilà, secret du mercato, c'est des mecs qui sont dans le milieu, qui ont décidé de donner des petits fun facts sur le mercato. Donc voilà, toujours un livre intéressant que je compte lire très prochainement. Et ensuite, je vous mens pas, un livre que j'ai acheté il y a quelques temps et que j'ai toujours pas lu parce que le livre m'intéresse pas finalement tant que ça.
Le scandale de la FIFA, écrit par Andrew Jennings, je crois qu'il s'appelle comme ça, celui qui a découvert justement le scandale de la FIFA. C'est un livre qui m'intéressait, mais l'actualité est passée, forcément, ça m'intéresse moins. Donc n'hésitez pas, si des gens l'ont lu dans les commentaires, à me conseiller si oui ou non je dois le lire. Donc voilà, j'ai essayé de vous partager quelque chose que peu de gens connaissent, des livres sur le foot. Essayez de vous ouvrir un petit peu à ça, essayez de vous donner un petit peu envie. J'en ai pas parlé trop en détail. À la base, je voulais même faire une émission sur chacun des livres que j'ai aimés. Mais je me suis dit que ça ne vous intéresserait pas parce que vous n'êtes pas autant passionné par le football, peut-être que moi qui lis le football, ou alors vous ne l'aimez pas sous ce contenu-là. En tout cas, voilà, j'ai essayé de vous faire un grand panorama. J'ai d'autres livres sur le football que je ne vous ai pas présentés. Je vous ai vraiment présenté mes déceptions et mes coups de cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Joe. Allez, bye!